Cause we can't trust ourselves Bon, Cédric, bienvenue au French Cast. Yeah man, je suis content d'être là. Puis dis-moi, bro, ouais. toi t'es un gars qui a beaucoup de connaissances des prisons et des prisonniers. Pourquoi tu dis ça? Euh, parce que juste avant qu'on commence, tu me parlais, puis tu me disais, ce gars-là, il sort du prison, l'autre gars, c'est un gars qui poignardait plein de monde qui était en prison pour 25 ans. Alors, c'était des choses ça, de... C'était plutôt... mon... mon type of gars. Moi aussi, <laughs> quand j'étais jeune, c'était tout des criminels autour de moi. Mais c'est drôle parce qu'on avait cette conversation-là tantôt. Vous à... Moi, je Moi, à base, j'étais un gars de la Rive Sud. J'habite sur Rive, rive nord aujourd'hui, mais j'étais un gars de la Rive Sud. J'ai un gars de Velo moine longueuil. Quand tu traverses le plongeur quartier, là, direct, là, le moine longueuil, là, le... le bord de je le Doric. Okay. Qui existe... Plus, mais c'est comme c'est là que j'ai grandi moi puis euh, moi je suis parti à 20 ans puis j'avais ma gang ma même gang de chums qu'on a commencé à fumer du weed oui, jeune puis on a commencé à vendre du weed oui, jeune puis ta, 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 ta. puis moi je commençais à lean back un peu parce que j'étais comme moi non moi je, je veux pas autant il y longtemps dans ma vie mon, mon rêve c'était de devenir un Hells Angels là, quand j'étais jeune c'était ouais. ça je voulais faire dans la vie puis euh, j'avais quelqu'un qui était dans un. dans ma famille qui était dans un club école. Puis j'ai assez vite compris que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie finalement. Mais c'est ça, c'est que quand je suis arrivé à 18, 19, 20, là, mes chums commençaient à pogner des à un à an, deux ans, six mois, ah, c'est l'un et un qui s'est fait poignarder. Puis, fait que là, là j'ai eu une opportunité d'une job, ça arrive nord, Puis j'ai fait comme. Parce que même si je me tenais loin, je me disais à Poseidon tantôt, si Si maintenant j'étais dans la merde financièrement ou de quand de même... Tout était proche. J'avais ouais. accessible. Ah, big, on, okay, on se part une ligne, on part le téléphone. -tu, ben, ben, t'as-tu une run qui roule, ok, Ben? mais moi si ta run. Tu vois. c'était facile d'accès. Moi, je suis arrivé sur Arrive-Nord. Tu connais personne? Je voulais fumer du weed. J'étais comme, fuck, je sais pas qui appeler. Faudrait, honnêtement, des fois, je descendais sur Arrive-Sud juste pour acheter du pot. Je savais pas qui appeler. Je connaissais personne sur Arrive-Nord. Ce qui est une bonne chose euh, au bout de la ligne. Puis, tu sais, euh, j'ai okay. gardé contact. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'étais un gars de charge, j'étais un gars de lowrider aussi. Puis, tu sais, euh, j'ai le gars que je suis les choses que j'aime font en sorte que je me suis beaucoup souvent retrouvé avec du monde qui était dans, dans ce milieu là pis ça fait que des, des chums qui ont été en dedans tu, des, je parlais tantôt tu sais, que le, le premier immeuble à revenu que j'ai acheté ben mon chum il sortait dans dedans fait que pour l'aider j'ai acheté un duplex avec lui ça l'aide à refaire son nom c'est un tatoueur. ça fait que je tu voulais pas que je parler de ça en non, euh, détail, non, mais, 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 non non moi ça me stresse pas ouais. ça me stress... mais tu sais c'est ça c'est mon tatouage tu dois douter qu'on ait des bons chums <laughs> puis euh, c'est ça tu sais moi moi dans la vie tu fais ce que tu veux la façon que tu le veux si ça implique pas euh, de la violence auprès des femmes et des enfants moi tu vends de la dope dans la vie man tu vends de la dope tu fais ce que tu oh, veux en, en termes de juger non non comme moi, moi, euh... moi, moi le seule chose pour moi qui était quand j'étais jeune c'est quand je voyais des gens un peu plus vieux que moi que tu ils rentraient dans la prison puis ils sortaient puis après ils pouvaient pas trouver un travail puis c'était des gars de on va dire que moi j'avais 16 ans ou 15 ans puis je voyais des gars dans leur vingtaine puis ils pouvaient même pas travailler chez McDo Ouais. Et puis là, il n'y avait pas le choix de retourner dans cette vie de crime parce que personne ne voulait les engager. Puis je voyais des choses comme ça. Puis j'étais comme, ah, je ne veux jamais devenir ça. Ouais, je ne veux t'sais... pas être un adulte qui, qui se comporte comme un enfant, qui vit comme ça. Tu, peux, tu dois aller à tes parents parce que tu ne peux pas faire tes propres choses. Tout ça. Puis je dis, non, 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 loin de ces personnes-là. Puis je commençais à dé déconnecter un peu. Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé de. T'sais, hey euh, man, comment ça on le voit plus mon oncle chose? T'sais, qui était pas vraiment mon mon oncle, mais tu sais. c'est drôle parce que quand j'étais jeune, 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 que j'avais aucune idée de tout. Puis plus tard, mon père m'a raconté des histoires qui s'est passées chez nous. J'ai fait comme What the tu hein, T'as fait ça? T'as fait Hein, c'est sais, Je vais pas rentrer dans les Mon mais père même... a une, une belle vie. Puis ça, il n'y a pas avant... fait de, 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 de conneries, mais tu sais, quand adulte, mon père me contait des affaires, j'étais comme quand... Pas mal, man, on en connaissait des acides de fucky, là, fait que. Quand tu t'assois puis et tu penses à ça… Ah, ouais, ouais. Mais même, mon, mon père m'a dit, sais, J'ai une histoire familiale un, un peu weirdo, mais en gros, mon père, à 21 ans, s'est retrouvé une femme, trois enfants. Oh! Fait que… puis pas, pas, pas d'études, pas une grosse job, pis tout ça. aujourd'hui, il, a, un, il a fait son nom dans son domaine, pis il, y a, il y a une bonne job. Mais Chris, moi je suis à 21 ans, tu m'aurais mis trois kids, man, je me serais tiré une balle, j'aurais crissé mon quatre cours. Mon père, j'ai énormément de respect pour cet homme-là parce qu'il y, y avait moi qui a eu avec ma mère biologique. Puis il y a eu ma garde quand ils se sont séparés. Puis il rencontre une femme qui avec qui il est toujours encore aujourd'hui. Puis elle avait déjà deux enfants qui est devenu mon frère et ma sœur. Donc moi j'avais un an, mon frère deux ans, ma sœur cinq ans. Fait qu'on est devenu une famille. Mais mon père 21 ans, une, une femme qui avait des, des qui s'occupait des kids. Puis lui comme je comprends qu'à un moment donné, il y a un chum d'un chum, il me rend un service, ça, tu sais, fait que. Mais là, on oh, parle oh. Des, des affaires des années 80, ça, là. là euh. Mais ton Il y avait beaucoup de ton père d'intégrité, hein? ben, c'est un homme euh, pour qui, d'un, j'ai énormément de respect, c'est un homme tellement droit. C'est la première personne dans la vie qui m'a inculqué le euh, On touche pas une femme. Moi, je me souviens, là, jeune là. Tu sais, genre, jamais, là, euh, mon, mon père, c'est pas, pas quelqu'un de violent, j'ai jamais vu mon père se battre ou quoi de même, là, tu sais, mais euh, mon père voit un gars frapper une femme dans la rue, c'est sûr qu'il jump dessus, même s'il a 60 ans aujourd'hui, tu sais, c'est des valeurs que j'ai, moi, puis qui sont en moi, puis ça, jamais, mais euh, ben, c'est tellement une bonne personne, c'est une des, des personnes les, les plus chill, les plus cool que je connais, mon père, et... Bon, je peux passer 6-3-4 euh, jours avec tout seul, on va juste jouer on va tellement déconner. Mon côté d'humorisme vient de lui. C'est le contraire de Poseidon. Lui, il veut juste frapper des femmes. <laughs> Poseidon ou son père <laughs> Les deux. deux. J'ai entendu des histoires sur ton père, C'est comme la lutte. c'est une on sort, euh. <laughs> Comment est-ce qu'il a trouvé l'humour Moi Ouais. Ben. J'étais un fan d'humour quand j'étais jeune, euh, je sais que tu pas beaucoup de référents euh, francophones surtout des années 90 là. Peut-être euh, parce que le monde m'envoie plein de. Non, j'imagine. tu sais euh, moi Michel Courtemanche, j'étais comme mon Courtemans. idole, tu sais, euh, tout le temps ça a tout le temps été chez nous, nous autres les juste pour rire, nous autres on écoutait ça euh, tout le temps, puis même ado là, un peu batté, là, toute la famille, là, <laughs> tout le monde était un peu batté. on se regarder hein, des juste pour rire, puis ça a toujours été ça, toujours être un fan. même quand j'avais comme 7 8 ans, je disais ça, je voulais être tout humoriste, je voulais être humoriste. Parce que j'avais découvert que je capable de faire une voix comique que je ne suis plus capable de faire depuis que j'ai mué. Mais tu sais, je trouvais ça cool, l'affaire, le monde riait, je trippais là-dessus. Tu avais quel âge? Ah, genre 8-9 ans, là, je me suis dit au primaire, je me souviens. Puis, mais tu aimais ça, faire le monde rire. J'aimais ça, faire le monde rire, mais encore là, je m'en rendais pas compte. Mais je me souviens que je disais ça, je voulais être humoriste. J'ai toujours un côté artistique, mais je me suis lancé plus euh, dans la musique. J'ai fait du rap pendant des années. T'sais. puis à un moment, donné, tu réalises que un, une ligne, un punch, que ce soit du rap, ça soit. Est-ce que tu connais mes amis euh, les rapper push? Eh ben oui, je connais tes, tes amis, les rapper push. mais je les connais pas en fait euh, personnellement, mais je sais que M. Thomas Levac est en train de travailler pour essayer de nous. Euh... oh j'étais prêt à offrir ça, ouais. <laughs> Vas-y, vas-y, okay, ouais, on va entendre dire. parler de moi. Ouais, parce ouais. que tu veux, moi, c'est une affaire que je voulais amener, mais je fais comme ah, non je veux pas. Faire. Puis, euh, mais mais j'aime écrire en, souvent encore de l'humour euh, en rime. Quand je rose, je joue souvent en rime parce que j'ai fait du battle rap aussi. Mais euh, là, je vois plus sous forme de poème. Mais bro, moi, je pense que c'est par parfait parce qu'eux, ils sont drôles aussi. Maintenant, mm -hmm. tu peux. Euh, mixer ton amour pour le rap, ton amour pour l'humour ensemble. Puis avec mon casting, il oh, vais faire du rap anti-casting avec mon casting. Je sais que ça va être... Euh, J'en ai écrit des tonnes, mais je les fais, des tonnes humoristiques, des mais je ne les fais pas, parce que justement, le, le crowd est pris. Puis en même temps, je n'ai tellement fait du rap, j'ai tellement mis de temps dedans. J'aime vraiment plus écrire du stand-up. C'est vraiment ça qui m'allume, à à Star écrire du stand-up. Mais c'est parce que pour moi, écrire... T'sais, des rimes comiques, ça, ça vient de ça. Tu ça quand j'écris un roast, je le fais de même parce que c'est le même que j'ai appris à, à roaster. Roast quand tu fais un battle, il faut que ça soit drôle aussi, même si c'est du rap. Puis ouais. honnêtement, euh, quand il y a eu, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, 10, 12 ans, les premiers en route vers mon premier gars-là, à toutes les ans, je dis à ma femme, hey, j'ai toujours voulu faire ça, faudrait, 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 mais tu sais, je suis comme, ah, la vie fait que fuck off, là, j'ai pas de temps. Puis sous-écoute, man. C'est sous écoute, à force d'écouter les humoristes parler du milieu de l'humour, ça m'a comme tellement mis en crise de jamais l'avoir fait. Puis je connaissais, je sais pas si tu connais Dave Morgan. Ouais. Bon. Je Le connais... musicien aussi. Il ouais, musicien de la aussi. Quoi. Puis euh, je l'avais rencontré ami d'amis. Puis à un moment donné, euh, j'ai juste envoyé un message. « Hey man, ça me tente. J'ai écrit quelque chose. Veux-tu ça regarder? » On s'est fait un super, il a regardé mes trucs. Puis il m'a donné une coupe de Q, genre « va plus là, plus là, elle, dans cet angle-là. » Puis le lendemain, il m'écrit genre euh, « Hey, j'ai parlé avec euh, la fille, tu pourrais l'open mic du bordel dans trois semaines. » Fait que mon premier show open mic, bordel, euh, cinq minutes, qui a quand même bien été. Puis j'ai juste comme « OK, ça a bien été, ben, je vais continuer. » Honnêtement, je me serais planté pas sûr je n'aurais refait. Oh, c'est ça qui. Mais... c'est ça qui était chanceux, qui est allé au bordel parce que bordel, même au open mic, les gens qui vont là-bas, c'est des comedy junkies, alors ils ont le respect. Pour le stand-up, ils vont t'écouter même s'ils ne te connaissent pas. Non, c'est ça. Alors étais chanceux de le faire là-bas. Mais, mais j'avais quand même aussi un avantage de... L'avantage de la scène, parce que j'avais fait de la musique, j'avais fait des balles. J'avais pas peur. J'avais pas le track. Puis il ouais. y avait du monde qui était là, Puis quand je leur disais que c'était mon premier show, à peu près personne, tous les autres humoristes ne me croyaient pas. J'ai oh, oh, comme Ouais, c'est mon premier show d'humour mais tu je le regarde mon chum l'avait mes chum l'avait filmé hey, mais je regarde la terre tu je regarde pas le crowd pis en tout je suis dans mon texte moi j'écoute pas les rires là je fais juste comme faut rien que j'oublie faut rien que j'oublie mais ça a quand même bien été tu puis euh... là j'ai continué mais tu sais j'étais moi j'étais un gars de performance fait que, si je suis pas bon dans quelque chose je vais lâcher vite parce que euh, faut que je sois bon dans quelque chose t'sais, si je suis pas bon je fais OK faut que je vais faire d'autres chose parce que faire si quelque tu chose, fais quelque dans chose je... toi, tu dois le faire au maximum. Faut que je le fasse au maximum. J'aime ça. Euh... Je, je, quand je dis ça, je, je, je lance souvent la joke. sais gars, je, je voulais me faire faire un tatou. <laughs> quand je fais quelque chose, je le fais au maximum. Tu es tatoué partout. Non, 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 non. non. j'ai euh, du torse au cou, le, les bras, puis euh, la moitié de la jambe droite en bas du genou. J'ai mon dos est vide encore là. Je travaille là-dessus. Est-ce que tu, tu veux faire des tatouages avec des couleurs Non. Aimes-tu ça Non. Pourquoi mais j'aime ça. Je trouve ça beau C'est quelqu'un. Je trouve ça beau. Ouais. Pas sur moi. C'est pas un style que, que, que j'aime. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est habillé en habit trois pièces, cravate. Je trouve ça, même ça a de la classe. C'est beau, mais ouais. je mettrais pas ça. Tu sais, un, un avec un tes tatoues je le... pense que ça serait cool. Oui, ta... ouais, mais tu sais, c'est pas un look. Euh, ouais. Déjà, quand je vais travailler euh, Real Job, que je vais au bureau, je suis obligé de mettre des, un polo. faut Il Ça me prend un polo avec la grosse chaîne qui sort. Moi, <laughs> je veux faire des sleeves. Mais je veux les faire extrêmes, comme avec beaucoup de couleurs. Ben, c non, mais c'est ça, Puis c'est. C'est mais moi, tu je suis. très. Euh, moi, je un gars très, très, très plongé dans la culture low-rider. J'ai ouais, eu des low-riders ouais. pendant des années. Tout mon, mon chest, c'est une pompe hydraulique, c'est un, un wire wheel, un mag en brush qu'on sur les low-riders, je suis vraiment. Puis tu sais, c'est un look vraiment, tu Chicano style que j'aime, tu c'est black and gray euh, style-là. Moi, c'est sûr, mon problème, c'est que j'ai commencé jeune à me faire tatouer j'ai des astuces d'affaires, des tribales, des signes chinois, mettre le tout, Toute la merde qu'on a eue début des années tu, 2000. Tu, tu comprends le chinois? Non, Alors, or. comment est-ce que tu sais qu'est-ce qu qu'ils t'ont ah, écrit man, sur toi c'est petit pénis d'écrit ouais. sur le bras. <laughs> tu sais quoi? Pro pro probablement que si on m'avait dit ça. Ah, mais je me, mettons, je m'avais fait tatouer à 18 ans, là, tu sais. Puis quelqu'un à 18 ans m'aurait dit c'est hey, si écrit petit pénis, ton bras, j'aurais été ancré, j'aurais voulu aller battre le gars. Puis ben, chino, un Chinois, je crois un Chinois aujourd'hui, il me dit C'est si écrit petit pénis, j'ai dit mmm, Nice. J'aime ouais, car... ouais. <laughs> ça. Ah, touché. <laughs> touché. Touché. Alors, tu. tu euh, toi, dans cette culture-là, de low-rider, tout ça, est-ce que tu rides des fois pendant l'été, puis tu rencontres... D'autres euh, comme gens qui aiment ça, les motos et tout ça, puis tu fais des nouveaux amis? Ben en fait, j'ai été dans un club de low-rider qui s'appelle Luxurious. C'est un club qui vient de Californie. Luxurious? Luxurious, Oh, hein. oh Luxurious. Luxuri luxurious. Oh, hein. Moi, je pensais que c'était Luxurious. Non, non, non. Ouais, luxurious. Ça a été fondé luxurious. en 1989 à San Jose. Puis il euh, y a un, des gars de Montréal en 2004 qui ont, euh, qui, ont formé, qui ont formé un chapitre. Ça marche un peu. C'est pas criminalisé, mais ça marche un peu sur le même principe que. On clubs peut le de... faire criminaliser si tu veux. On, on peut. On on peut. peut. <laughs> non, mais c'est un peu sur le même principe principe que les, les clubs de motards, justement, il ouais. y a des chapitres un peu partout. Il y a un président, un vice-président, tout ça pour prendre des, des décisions. Parce qu'à Mané, quand tu es 14 12 avec un peu trop de testostérone, tu n'as pas quelqu'un qui met un peu d'encadrement là-dedans. Est-ce euh, que les health euh, se fâchent à cause que vous existez? Non, pas toi, mais à un moment donné, ça, on, on se posait la question parce que, tu sais, on avait tout comme euh, un, un Viking un shirt avec brodé luxurious Montreal euh, ». Oh, ça, tu euh, pas le droit. Hein? La... Oui, oui, c'était très parce que c'était du et puis ils savait. puis, euh, tu sais, on n'a jamais eu de trouble avec ça vraiment. Mais moi, je sais, c'est le cut en arrière. Tu n'as pas le droit de mettre euh, le nom de la ville en dessous. C'est là Mais que les, autres, les Hells le Angels C'est vrai, je parce que Je l'ai tatoué ouais. ici, le logo. Puis il y a comme une, une banderole. En fait, il ne faut pas que ce soit un three-part. Oui, exactement. le le, le, club, tree, ouais. le dessin, la ville. C'est ça. Même il y, y a des codes à. Mais, tu nous autres, on a, on a pris le logo tel quel, puis, tu sais, il n'y a, a, a jamais eu de fuck avec ça. c'est des lowriders, puis, tu sais, c'est pas criminalisé non plus, tout ça. Ouais. Mais là, tu sais, moi, j'étais 14 ans dans ce club-là, fait à, à tous les étés, j'ai eu comme quatre lowriders. Euh, puis, à tous les étés, c'était ça. C'était ma vie, l'été, c'était ça. Puis là, il ben, euh, y a deux ans, j'ai pris des décisions personnels et professionnels qui ont fait en, en sorte que j'ai fait je vous aime les gars, j'aime les lowriders, c'est une passion à vie, je vais en revoir mais en ce moment, il faut que je mette du temps et de l'énergie ailleurs que là, surtout de l'argent parce que c'est énormément d'argent. Fait que euh, j'ai juste comme, tu sais, je passe au garage des boys, les boys sont super contents Alors de as me quitté voir. Quitté le te, le gang quitté le club, des deux, le, le club de Low Rider. <laughs> j'ai gardé ma moto. J'ai okay. une moto aussi qui est vraiment Chicano Style. Euh, ça, je l'ai gardé parce qu'elle était payée. Puis elle est finie. Je ne veux pas mettre plus de, de cash. que mais le, le char, c'est jamais fini. jamais... Um... What are you looking for? Chicano, Chicano Style. style Qu'est-ce qu'il écrit? Il fait, euh, look, euh, tu peux écrire euh, ouais, mon bike, ça ressemble à ça. Mais écris euh, Luxur oh, Luxurious, ouais. cool. euh, 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 Luxurious Montreal. Ça c'est cool. J'ai même une tune sur Spotify, Luxurious Montreal. La dernière tune de rap parce qu'on a fait un euh, ça, c'était un de mes chums à Las Vegas. Il avait amené son chat à Vegas. Tout ça, là. Oh, c'est ça, le logo? Ouais, c'est ça. ça. Je l'ai sur le bras. Tu vois le Lincoln noir, là, en bas, là? Ouais. Le hockey du cul, c'est le dernier lowrider que j'ai eu. Oh. Ça, c'est le chat de mon chum, Abel. 61 Mpala. Y a-t-il ouais, des une... Mexicains dans le groupe? Non, non. 61, un autre. Impala tu peux montrer n'importe quelle photo Impala devant, côté, derrière Je peux te dire c'est quelle année tu que chaque année t'es différente d'un Impala Tiens tu vois ma bas à droite gars C'est ma tête oh. ouais, J'avais un peu plus de gras à l'époque Tu crois que fait longtemps ça, que j'ai cool. pas de cheveux <laughs> okay, alors ça marche. Alors les motards, ils s'en foutent. Ils disent que c'est une grosse rider. Ça n'a rien à voir. On n'est pas, euh, c'est pas, pas criminalisé. C'est vraiment un club de chant, comme tu sais, comme il y a des, des euh, tu sais, euh, les motards du Québec là. C'est des papiers sur le sais Il n'y a pas de, tu sais, ils savent. Il n'y a rien. Y a jamais eu de. Même souvent, on est allé euh, exposer nos chars au Bike and Tattoo Show, puis euh, les autres ont souvent un gros kiosque, genre, tu sais, A -A -A 81 Support. Ah ouais, ils, ouais, ouais, ils vendaient ouais. du linge, puis de sub, les gars étaient avec le pape. Jamais, jamais, jamais. Ils ont un groupe de low-rider, ils ont rien, rien, rien à voir là-dedans. J'ai jamais eu de. Puis après ton open mic au bordel, ouais. t'as décidé quoi T'as dit, OK, fuck, ça, c'est pour moi ben, J'ai commencé à faire des open mics un peu partout. Puis tranquillement, puis là, ça, ça marchait, ça marchait. Puis euh, là, j'ai euh, entendu parler des. Euh, je sais pas si tu connais Frank Grenier. Frank Grenier. De son nom, te sûrement dit quelque chose? Ouais, ça me euh, dit quelque chose. Mais un, je connais. Un trou dans le menton, une, une, une bonne bédane, euh, très bon humoriste. Là, il, il, il s'est retiré de la scène depuis une couple d'années. Il est plus euh, côté euh, écriture, télé, puis tout ça. Mais il faisait des ateliers d'humour qui étaient. Une, genre c'était pas une compétition pas en tout mais c'est le même principe que euh, les vendredis à l'école de l'humour tu sais euh, à chaque vendredi faut il faut qu'ils écrivent un nouveau cinq minutes oh, mais ouais, les ateliers ouais. de Frank c'était un peu ça c'était des, des ateliers de présentation fait à chaque une fois par semaine on présentait un number mais on pouvait représenter le même number à chaque semaine mais leur travailler tout ça puis ils il nous donnait des conseils puis ça puis c'est lui qui m'a montré et appris à écrire de l'humour. Fait que j'ai bâti mes premiers numéros dans ces ateliers, puis je les ai faits, je les ai faits. un moment j'ai comme un peu compris le pattern. Puis là, j'écris mes affaires, puis je les teste, je les rode. Euh... Mais tu sais, la... moi, j'ai de la misère à, à roder. Tu sais, je fais des open mic vraiment quand, quand j'ai de la V1, V1. Mais dès que je fais un show, tu sais, justement, que ce soit l'open mic du bordel, même les, les gang shows, tu sais, moi, j'ai en ce moment le... le, le... Le record de gong show, j'ai fait mon sixième hier. Ah, tu t'es fait gagner six fois? Non, je me suis fait gagner une fois puis c'était pas mérité Charles une Deschamps. Une fois sur six? Une fois sur six. Ok, ça c'est cool. Puis est-ce que Charles, l'autre fois c'était un peu inacceptable qu'il était avec? Non, c'était en fait c'est sur un jeu de mots. Mais le jeu de mots, il a ri. Moi, je l'ai écouté après, le jeu de mots ri. Mais tu sais, l'échange qu'on a eu après était payant. Mais j'ai du fun, tu sais, avec les boys. On s'écarte, je les écarte, tu Je les menace toujours un peu, mais en tout en joke, tu sais. Mais, euh, mais même à ça, quand j'y vais, tu sais, là, je suis allé six fois. puis les prochaines fois, j'y vais. Là, là j'y vais. puis je fais des stuns, je fais des V1. Je m'en fous. que j'ai prouvé ce que j'avais approuvé au Gang Show, tu sais. Ouais. Euh, mais, euh, prochaine fois, monte sur la scène avec une euh, arme blanche sur, dans une main. Puis une, le micro dans l'autre, puis juste regarde-les. Dès que tu penses qu'ils vont essayer de te gagner, juste regarde-les. Ils vont pas te gagner. Mais pourquoi une arme blanche ben, Ou une arme noire. Mais non, tu vois, je retourne là. Je vais une fois par mois quasiment depuis que ça existe. Puis euh, je retourne le mois prochain. Puis ça, pour moi, ça, ça va devenir un running gag de je le fais une fois par mois, mais là, j'arrête je, là, je, de mettre de la pression parce que quand j'y allais, puis encore là, parce que c'est le bordel, il fallait que je perfume, il fallait que je sois bon. fallait que, fait que même quand je fais une soirée, puis je fais un, tu sais, un book, un 15 minutes, ça va être un 15 minutes rodé, je ne pas. Les soirées rodage, moi, en ce moment, je constate pas que j'ai la carrière pour. Je ne vais pas roder dans une soirée rodage. Moi, je vais dans une soirée rodage où il va avoir un headliner, tout ça. Je fais du stock rodé, du stock je sais qui marche parce que je veux rentrer. Je vais aller faire des open mic ah, pour tort. tester mon stock. Euh, à moins que je sache vraiment, que j'ai écrit quelque chose, c'est solide. j'ai mon number, un number fétiche en ce moment qui est sur les tortues. Puis je l'ai fait au gang show, genre V2, mais je savais que j'avais des solides gags. Puis comme de fait, je n'ai pas été gang. Puis j'étais était en V2. Puis là, je l'ai retravaillé toute l'été. Puis c'est un En ce moment, c'est comme mon number qui arrache tout. Puis qui... Qui, qui, qui marche, pis avec lequel j'ai du fun au bout, c'est anti-casting as fuck, pis j'adore faire ce number-là. Mais tu sais, quand je suis une affaire, j'y écrit, je suis pas sûr. Là, je vais aller tester dans des open mic euh, encore. Euh, même si je pense que je pourrais me permettre de ne plus faire d'open mic. Mais je ne considère pas que j'ai la carrière qui me permet d'aller me planter dans une soirée rodage. Parce que, tu sais, moi, non. si je vais dans tu une soirée… Tu faire les open mics pour tester. Ben c'est ça, mettons, que tu sais, c'est, mettons… tu détruis pas tes autres gigs. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, je vais dans une soirée où euh, c'est toi qui as de Tu sais, mettons, toi, tu as de l'âne, uh, Pébé Rivard, puis uh, Pascal Cameron. oh ça, c'est un bon line-up. Tu, tu Penses-tu vraiment que j'ai envie d'aller euh, tester une V1? Ah oh, oui, parce qu'après, le monde va être comme… C'était quoi ça? J'ai trois gars qui les autres ils peuvent tester des V1 parce que même sur si une V1, sont solides. Et je t'inclus tout là-dedans. Puis ah, moi, je fais comme je, je me considère pas encore assez solide pour aller tester une V1. As-tu assez, assez d'open mic qui, que tu peux aller tester? que C'est juste des open mic, le monde, c'est ça. que tu peux tester. Autre que le bordel, parce que comme tu as dit, le bordel. Ah oui, il y en a plein. Il hein? y en a plein. En a... Proche de chez toi? Euh, non, pas tant. Mais moi, je m'en moi, fous de me de promener un peu. Mais. Euh, j si, je sais pas, je devrais dire ça. Est-ce qu'il y a. Je euh, constate peut-être même un peu qu'il y a trop d'open mic. Parce que ce que je trouve poche un peu en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se partent des soirées, puis c'est des soirées open mic. Je comprends, parce qu'une soirée open mic, tu payes pas ton monde. Fait que tu n'as pas, pas de danger financier. Sauf qu'à un moment donné, si tu prends des soirées open mic, tu as des open micers. Après ça, ah, mais là, Chris, ma soirée, elle, elle marche pas. Ouais, mais c'est parce que tu invites 8 open micers, 5, 5 minutes du monde que tu payes pas. Fait que fait que moi, je considère comme moi, je, es que mon, Moi, mon je, moi je pars une, une soirée juste pour lui, pour qu'il prenne contrôle de ça. Ben oui, mais moi, je fais un so, show, je l'invite, puis il me choque Au, cent, au centre-ville. Non, non, mais ça ne va pas être un open mic, ça va être en français. En français. Je vais te booker. Euh, je pense 5 ou 6 humoristes par soir, puis ça commence bientôt. Hein. Je, je, je vais te It dire après up, le show, euh, dans une ou deux semaines. Je prépare toutes mes affaires là, ça va être au centre-ville. Lui va prendre charge de ça. Alors, à chaque semaine, je vais avoir des de humoristes différents, puis un animateur différent. C'est moi qui... Ah, ça, c'est cool, l'animateur différent. ouais ouais c'est moi qui fais cool. ça, tu sais, uh, uh, Comedy, mm -hmm. mais ça ne va pas être moi qui anime, puis tout ça, ça va être plein. Alors, ça peut être toi, toi PB, Pascal, comme tu dis, ça, tu mais sais pas est, qui... Mais c'est un qui nouveau setup, avoir. ça, parce que, tu sais, c'est souvent le même animateur. Il n'y ouais. a pas le bordel, ou ce que... Mais encore là, c'est souvent les mêmes animateurs qui reviennent. Ouais. Mais, euh, non, là, ça, ça va être tu sais pourquoi? Ça, c'est cool. Parce que le bordel, maintenant, je fais ça en anglais chaque euh, mardi soir. Ouais, j'ai vu ça passer. Puis moi, je suis pas un bon animateur, mais je dois animer. C'est ça ma job ouais. là-bas. Mais j'ai appris des trucs. J'apprends comment être animateur. Puis ça, ça aide. Ça, ça, ça me donne plus d'armes dans, dans l'humour. Alors, j'aimerais faire ça avec tout le monde. Alors, imagine-toi, tu viens, tu fais ton set, mais après deux semaines, tu reviens, puis animes. et là, t'animes. Ah, là, c'est des muscles animés. Moi, j'aime ça animer, parce ouais. que et, ça, c'est une affaire qui me stressait beaucoup aussi, le, le crowd work, puis tout ça. Pis, mais t'sais, le, le show que es venu, Mes otages, j'en fais un autre, le, le pas samedi, samedi, le 12 novembre, dans le fond, j'avais fait un spot à Poseidon, mais finalement, euh, je pense que vous avez des two drinks minimum. Ouais, euh, ouais, euh, avec Mike. C'est correct. Euh, je je, je comprends meilleur. que tu choisisses Mike. Ce c'est meilleur pour toi, parce que j'ai jamais fait ça en français. Ah, je m'en crie. Moi, moi euh, je l'ai même pas entendu, je l'aurais découvert sur scène, mais écoute, c'est un gars tellement magique, <laughs> en dehors de la scène, je me dis, ouais. ça peut pas être si terrible que ça, puis je me dis, avec des chums comme toi, puis Mike, qui est sûrement, hey, regarde ce que j'ai écrit, je me dis, ça peut pas être si atroce que ça, puis j'ai même ça a été... Ah, oh, c'est un gars qui va... Ça, ah non, mais c'est ça, Mike, je, je sais, sais mais il <laughs> m'a fait, <laughs> il fait, il oh, oh, il ben fait une joke tantôt, j'ai fait comme... What? Ah! mais c'est parce qu'au début il, il, il me compte de quoi mais il me dit pas qu'il teste une joke genre me dit une joke là je comme, là moi je commence à débattre un peu avec lui genre c'est comme ouais <laughs> là il me fait tu mais c'est une joke que je fais je, je Ouh. avec sa voix maintenant Joignez Joignez mais nan je, je, ah. euh, je trouve ça cool je trouve ça vraiment cool là. mais c'est ça tu veux animer je l'ai fait un peu cet été avec euh, un, un, un gars que j'aime beaucoup j'ai envoyé des fleurs David va de bon cœur il, il, il organise des shows d'encore fait que dans le fond, tu, tu bookes, tu vas dans, chez le monde, dans leur cours leur famille, puis ils se placent un petit stage, le, le, le son, puis tout. Bon. Ridicule, mais je suis intrigué. Ben, Non, mais ben, je trouvais ça cool, puis tout. Puis euh, moi, j'ai dit, écoute, si jamais t'en fais dans mon coin, parce que j'irais pas assez à bel oeil pour faire un show dans ouais. le cours devant 15, 20, 30 personnes, mais tu sais, ils ont fait des, des shots, là, 100, 150 personnes, puis tout, là, tu sais. Fait que euh, ben, j'ai dit, si jamais t'en as, puis je suis allé, puis honnêtement, j'ai eu du fun. Puis j'ai dit, hey, si jamais t'en as, puis tu ça que j'aime moi, je veux. Peaufiner mon, mon animation. T'sais. Puis je l'ai faite. Puis avec le show que je produis à peu près comme deux fois par année, parce que moi, je ne veux, je veux pas la pression d'une soirée régulière. Ça m'intéresse pas en ce moment. Mais avec le, la place où je le fais, il serait d'en de le faire une fois par mois. Mais je, en tout cas, je ne suis pas sûr encore que je veux m'embarquer dans une soirée régulière. Moi, dans le fond, mon show, je le fais quand j'ai un, un nouveau number rodé que je sais qui marche. Comme là, en ce moment, je te parle de mon number de tortue, parce que 50% de la crowd, ça va être du monde qui vont revenir de la famille des amis tout ça c'est qui viennent pas me voir en 15 minutes c'est un mercredi soir en ville fait que, ouais. je veux leur offrir à chaque fois du nouveau matériel mais pas une V1 fait que je veux animer un peu de crowd work puis je veux leur offrir un bon number rodé. fait que quand j'ai un bon number rodé Là, je fais une nouvelle édition parce que je peux leur offrir du nouveau euh, Cédric. Puis euh, moi, c'est Cathead Liner. C'est un bon show. Tu te rappelles le dernier? Ouais. T'es venu le line-up. Tourette, Thomas Levac, euh, PB, Baldock. était là, ouais. C'est ouais. tout le temps ça. Là, là le prochain encore, c'est un, un gros line-up. J'ai eu des chokes, mais j'ai réussi à remplacer mes chokes par, euh, par des, des, des bons. Puis tu, c'est pas pas des flèches en vois tu sais quelqu'un qui Non non ça arrive t'sais, t'sais, tu sais il faire non. un 15 minutes 150 pièces un samedi soir puis il me fait dire ouais c'est parce que j'ai pas un corpo ben oui c'est clair vas-y puis l'autre hey, je, je fais des funérailles ben ouais tu sais moi je je comprends là, la carrière puis moi, déjà que je te demande un vendredi ou un samedi soir à 150 pour un 15 puis pour le funérailles, un funérailles j'accepte pas ça bro ton père est mort accepte-le <laughs> Non mais tu sais c'est du monde qui normalement headline tu sais il un, y en a qui me l'ont dit écoute c'était pas un samedi je serais venu mais un samedi à 150 15 minutes je vais me garder quelque chose pour headline et part. Puis, si je respecte ça, le monde qui peut gâter tant mieux. Moi, moi mon but avec cette soirée-là, c'est pas de faire du cash, c'est vraiment d'offrir un bon show. Jusqu'à date, c'est ça, ça que tu veux. À date, écoute, c'est la cinquième édition qui s'en vient, puis euh, mes otages, comme show. <laughs> je me fais de la pub. Si tu, tu dois. Si tu dois. Fucking smart, pourquoi pas? J'aime le titre en plus. <laughs> Alors, toi, c'est. Comme pour, quand tu viens à Montréal, parce qu'il y a plein de choses à Montréal, je, moi, je pense que je t'avais rencontré aux soirées GHB. Ouais, c'est vrai, tu effectivement. Effectivement. Euh, la, première, la première fois qu'on s'est croisés, ouais. C'était-tu ma première fois, ça. Ça ouais. se peut parce que ça fait longtemps, on ne sait pas récent. ben Je pense que ton, euh, des, des likes Instagram, là on se creusait, je pense, sur Instagram. Non, non, <laughs> non, non oh, ouais, peut-être. Je likais tes like shit, tu likais un peu de mes trucs oh, aussi. Oui, c'est ça, ouais, avait... Puis après, on s'est rencontré Puis on s'est rencontrés GHB, oh, puis nice. on, on s'est mis à jaser tout de suite. ouais puis euh... c'était une bonne soirée aussi. Ah, c'était cool. C'était mon premier GHB, en plus. Euh... C'est pour ça que je pense que moi aussi, peut-être que c'était mon premier GHB. Ça a bien rentré. genre En droit que toi, tu l'as fait genre 70 fois depuis. <rire> <Ouais>. <rire> moi, je l'ai refait une fois. J'ai écrit à GF justement aujourd'hui. Oui, il va te mettre, Lui, c'est Oh, oui, non, non, non. Oh, ben oui, ouais. il était. La deuxième édition, je pense qu'il était justement sur euh, la, la deuxième édition de mon show, je l'avais Il est drôle. Ah, Chris, man. Puis il fait l'humour que. Moi, qui, 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 qui vais me chercher. Là. Ça, moi aussi, euh, c'est ça. Moi, c'est ça. quoi? Je viens de. Comme je, euh, je suis rendu compte que. C'est pas vraiment que j'aime juste l'humour trash. Moi, j'aime. Tout de l'humour ou toi, t'as de la confiance. Alors, même si c'est des choses qui sont un peu cheesy, qui devraient pas me, venir me chercher, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui c'est juste pour les femmes ou whatever. Mm -hmm. Mais si c'est bon, puis t'as de la confiance, moi, je vais aimer ça. Même si ça ne me cherche pas, moi, je vais aimer ça. Mais tu veux, moi, je fais un comparatif souvent, là. Parce que moi avec. Moi c'est sûr que tu sais moi les Denis Drelache, de moi je suis un fan, je suis un fan. Bro, ils sont ridicules, ils sont Fini. absurdes. Ouais, mais ils sont trash aussi, tu sais, ils vont loin, puis ils, 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 ils peuvent aller loin. Ils peuvent vraiment aller loin, tu sais. Moi j'ai une joke justement que je me compare à Denis Barbu, tu sais. Puis je dis tu sais moi je me compare à Denis Barbu, mais moi j'ai réalisé que quand j'étais sur une scène, je regardais le monde en disant "m'a tué. Christ, <laughs> le monde rit pas moi. <laughs> le monde me croit, tu sais. Mais euh... <laughs> j'adore joke. Puis euh... <laughs> non mais c'est ce que je dis c'est moi avec mais si l'humour est bien fait, puis je te, je te ramène au char. Moi, je suis un gars de low-rider, j'aime les lowriders low j'allais ouais. dans des shows. Mais si je voyais, je ne suis pas un gars de civique, mais je voyais une civique bien faite, bien montée, qualité. Je vois qu'il y a du travail, puis c'est bien fait. c'est pas le genre que j'aime, mais je vais respecter ce que tu fais. Même fait. chose, oui. Je respecte le, ce que. Tu sais, comme je te disais, moi, les tattoos de couleur, j'en veux pas sur moi, mais c'est un asti de belle manche écœurante. Je vois, wow, man, c'est pas mon vibe. Puis je suis capable de reconnaître l'artiste écœurant, les couleurs, hein, le design, tout. Tu sais, c'est ça. Puis c'est un peu ça avec l'humour. Oui, l'humour trash, j'aime ça, mais j'aime pas que ça. J'aime vraiment euh, l'absurde. Euh, j'aime ça. Tout. Écoute, il y a un gars, moi, j'ai découvert euh, justement au Gang Show. Puis il le fait souvent. C'est un gars qui s'appelle Alex Harrison. Pas connu, il commence, il commence. Puis il est absurde. Puis il fait ce qu'on appelle des, des imitations doubles. Le gars, il, il te nomme deux choses complètement opposées, mais quand il mime. Tu fais comme la même chose? oh fuck man c'est tellement drôle là. Oh. mais tu sais, puis je fais comme mais c'est intelligent c'est con mais c'est intelligent je sais pas ce qu'on qu ouais, je veux non, dire c'est comme euh, tu comme euh, Jean-Michel euh, 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 Martel, Martel ouais. lui c'est des choses fucking tu penses que tu sais où il va avec exactement oh, c'est un gars qui me fait fucking rire oh ben, moi aussi puis habituellement moi je dis oh je déteste le monde avec les props puis tout ça puis lui il est devenu un de mes préférés mais moi, moi si, si ta prémisse s'en va à droite, puis tu me caresses une claque par la gueule, oh, j'adore ça. ça moi, j je sais Poseidon, tu, tu j pas, Aiden, tu l'aimes, je ne vais pas faire mon gag, mais euh, mon gag de piano. <laughs> C'est <Parce> que... <laughs> ouais, le gag, tu sais, quand j'ai re rencontré Mike une fois, grâce à toi, merci, malgré que je, si j'étais tellement star j'ai eu de l'air d'un <laughs> petit d'imbécile. Mais tout le monde est comme ça. Non, mais moi, écoute, j'ai rencontré Bruce Willis, John Travolta je travaillais sur des plateaux de tournage américains, ouais, mais mon lui, gros, pas jamais Mike. été stressé. J'ai rencontré un j'étais dans la salle là, j'ai dit ah, <laughs> père, Ma femme m'a regardé, elle fait comme Pourquoi on n'est pas resté? Il voulait qu'on reste, il nous a offert une bière, puis ah, J'étais ouais. pas J'étais j'étais bloqué, puis Preach il avait compté ce gag-là, tu sais, puis Mike il m'a regardé, fait... Est-ce c'est -ce est bon tu sais, est mon gag préféré? Puis c'est ce que je considère comme un gag parfait parce que justement, la prémisse est tellement. Écoute, quand je fais la prémisse, je te le contrerai après. Maybe... Je connais Là, la, 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 tu, le tu gag. Puis tu raconte ouais. ouais, à tout le monde ce studio-là. Il y a plein de monde que je rencontre, des humoristes. Puis ils font comme Ah, oh, c'est toi ce gag-là. Je l'avance à cause de il a Puis il y a plein il de Mais euh, c'est cool parce que ça me dit à ah, moi, je fais comme Christ, as un gag qui est vraiment solide. Mais c'est ce que j'aime. Moi, une prémisse qui fait. Puis en plus, tu sais cette prémisse-là, le monde font comme What the fuck Puis là j'arrive avec mais de l'autre côté c'est un gag là particulièrement des fois il y a du monde qui reste bloqué sa prémisse fait que la, la, la joke a... Elle... mais tu veux je fais ça au bordel j'ai remarqué là si mon crowd il est multiethnique le, le toit explose plus mon crowd est blanc plus à... Sauf au bordel, peu importe. Bordel, ça rentre parce que le monde comprenne son là ouais, pour ouais, l'humour. Ouais. Mais tu sais, écoute, j'ai fait cette joke-là, bad boys. Man, je pensais que les murs allaient péter. First, je fais la prémisse, puis là, t'entends juste comme... What the fuck? Puis je m'étais enregistré, puis t'entends vraiment What the fuck? <laughs> puis j'ai fait exprès là, je l'ai, man, je l'ai étiré la prémisse quand uh, j'ai fait le punch, man. Ça, puis une surenchère après ça, là, man, je pensais que ça allait, ça, ça allait exploser. C'est mon gag. Mais c'est le genre d'humour, c'est justement, moi ça, si tu. Même si c'était un gag de pipi puis de caca, mais si ta prémisse allait pas. Ou ta prémisse allait là, puis ton punch s'en va complètement ailleurs, moi, tu. Mais Mais C'est ça l'humour, ouais. en fait. C'est l'humour qui me fait rire. T'sais. Euh, t'sais, moi, je suis moins un gars de sketch. Les sketchs, ça vient moins me chercher. Euh sauf les Denis, ils sont tellement <laughs> les Denis sont ça euh, c'est autre chose là ils sont pas assez, assez respectés et je vais te dire quelque chose ici qui me fâche les, les Denis Drolet de ont un podcast très bon euh, oui, je suis Patreon je n'ai pas manqué un ah ouais ah ben, oui, ben oui, ben tu oui. sais que les Denis n'ont jamais le droit à chaque année de rentrer dans les galas de Olivier à cause que c'est sur Patreon mais parce qu'ils ne mettent pas sur YouTube. Oui, mais je vais dire quelque chose. Avant ça, les, les gars-là ne savaient même pas c'était quoi des podcasts. Ils acceptaient même pas les podcasts. Maintenant, ils disent Oh, pour être une podcast sur YouTube Qui t'a dit que c'est vrai ça? Qui t'a dit que c'est que... vrai, ça? Pis même bien. Joe Rogan, le meilleur podcast au monde, est pas sur YouTube. Non, mais il est sur. Euh, mais c'est pas YouTube! Non, je sais, mais moi, tu veux ce que. Je te relance là-dessus, puis je, je, là puis ouais. je suis d'accord. Fait comme um, meilleur spectacle de l'année. Spectacle qui est-tu sur YouTube? Non, le monde ont payé des billets. Ouais. Les, 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 tu, veux, tu veux écouter le podcast Des Denis, tu payes 10 pièces par mois. Tu vas aller voir Louis-José en show, tu payes 75 pièces pour un show. Mais tu as payé. C'est hein? quoi? Parce qu'il est pas gratuit, tu pas le droit d'être dans un podcast. Il faut, faut que tu donnes ton stock, tu sais. Mais Pis moi, je, je suis toi... sur Patreon. Bien, ça. le monde qui va voir ça en premier, ça va être les, les, les Patreons. Patreons. Exactement. J'ai fait couple ouvert il n'y a pas longtemps, puis c'est ça. J'ai eu plein de... Quand il est sorti sur Patreon, j'ai eu plein un, un, un gros vibe. Puis même qu'il sortent sur YouTube, je sais que je vais un peu. Puis les Denis, pis je sais pourquoi ils le font, puis ils l'ont dit, parce que souvent, ils vont loin. Puis ouais. ça leur permet justement... First, le monde qui sont sur Patreon, c'est le monde qui veut les écouter. Fait que, j ai, j ai, pis, honnêtement, là... Puis je pense, j'espère qu'ils ont cette mentalité. Je connais pas les gars, j'espère un jour les rencontrer. Honnêtement, là, si tu me dis, hey, t'arrêtes de faire de l'humour, mais tu peux rencontrer Denis, il va faire et Chris va peut-être arrêter. Tu sais, c'est des gars. un jour je veux avoir une conversation avec ces gars-là. J'adore. Oh, c'est cool. sûr qu'ils sont cool, mais j'espère que ça les fait pas vraiment chier. Je sais pas ce qu'on Ah oh, non, pas... parce que tu sais pourquoi je pense pas que ça leur fait chier, parce que l'industrie, pas l'industrie, les personnes dans l'industrie, comme les humoristes, moi, toi, on, on sait la vérité, puis on les respecte. Alors, eux, sont des gens de qualité. Eux, ils s'en foutent de, comme je, les CEO, l'industrie, les gens avec les fucking cravates, non, ils s'en foutent de ça. Si leur, euh, euh, leurs peers les aiment. Ben, ils sont d'accord. Puis nous, tout le monde puis, les adore. Moi, j'ai jamais puis, entendu une humoriste les... dire qu'ils ah, sont a, pas y a, les meilleurs. Pff, écoute, si, si un humoriste qui aime pas être Denis, de il devrait pas être humoriste parce qu'il comprend pas l'humour. Tu sais. Il comprend pas <laughs> Ben non, mais c'est vrai. Puis honnêtement, leurs fans, c'est des... Moi, je suis allé, le, le premier podcast qu'ils ont fait live à Saint-Jérôme, je suis allé, man. C'était malade? Je partie des... Puis là, moi, écoute, j'étais pas un humoriste, là. Puis là, à un moment donné, j'étais comme... Il, il faut que je call de quoi? Il faut que... Faut... Est clé, mais faut que je colle de quoi? Parce que je veux m'entendre dans Rince je J'étais j'ai fait exprès pour ça. Puis j'ai lâché un call, j'ai posé une question à, à Barbu. Juste, tu sais, pour, pour le monde qui connaisse bien Rince je j'ai juste fait Hey Sébastien, qu'est-ce qui se passe avec ta mouse? Ça là, puis, puis je le sais qu'il y a tant de temps dans ce podcast-là, à ce moment-là. Tu m'entends. Puis tu sais, j'attendais, tu sais, je voulais pas être Tu sais, hey, écoute, j'ai choisi mon moment. J'étais comme, tu sais, c'est tout le long, là. Puis avec Rince il pouvait pas commencer, les gars, là, pendant 15 minutes, à se. Arracher la gorge à leurs fans, c'est des fans. Puis, les gars, restez sur Patreon. Vous n'allez pas vous faire avec la, les astuces de ma tante qui vont vous écrire. Pourquoi ah, vous vous dites quand vous violez les enfants? C'est une conne. joke, madame. C'est pas une vraie C'est <laughs> une hologramme, madame. Ah, uh, t'inquiète. Mais... tu uh, sais, puis maintenant, ils vont être chanceux parce que je ne sais pas si eux ont accès déjà. Mike, je, je, je checkais avec Justin, il n'y a pas accès encore. Mais moi, sur mon Patreon, Patreon vient de me donner l'accès où je peux uploader des vidéos directement. Je n'ai plus besoin de YouTube. Ah je sais pas, je connais pas euh, Parce qu'habituellement le Patreon je, je connais Patreon pour être membre Patreon de plusieurs mais, podcasts. OK, alors habituellement ce qui arrive c'est que tu mets un lien de ton vidéo sur YouTube ou Vimeo. Ouais, parce que c'est ça je vois es que Délinké. OK, ouais. Mais non Patreon commence à avoir leur propre leur propre player. Ben, ça c'est fantastique. C'est logique. C'est qu ce qui est bon de ça. Le monde disant que okay, c'est cool, c'est privé, mais ce qui est vraiment bon de ça, c'est que maintenant, on peut faire des vidéos, on peut uploader des vidéos avec n'importe quelle musique, vidéo qu'on veut. Ça va pas se faire flaguer ah. ou enlever par YouTube. Oui, c'est vrai. Quand le monde met « Ah, on peut, pas, on peut pas mettre tel extrait parce qu'on va se faire… » Ah, Chris ouais, ouais. ah, ça c'est très Puis pour cool. Pour des gens qui sont juste sur Patreon, on va dire de les donner il peut aller même à un autre niveau, maintenant Question technique, parce ouais. que moi, moi, souvent, je mets du stock sur YouTube, mais plus comme pour envoyer au booker ou du monde qui me connaît pas. Je, je, ouais, ouais. je filme un bit, mettons, pis, je le mets sur YouTube, mais privé. Fait ouais, que personne -list, personne ouais, ouais. peut le trouver. Mais, même s'il est dans une page comme ça, puis tu mets de la musique, il va falloir qu'ils vont, euh, vont te le flaguer. Sur, ouais, si c'est unlisted sur YouTube, mais t'as de, de la musique, c'est euh, la Attends, vraie musique. Bungo whatever. whatever ouais, ouais, ils vont te flaguer. Puis des fois, des fois c'est simple, ils disent, tu peux juste pop, euh, tu peux pas monétiser ton vidéo. Tu vidéo. es comme, ok, shit, ça, ça, je si fous de ça... Mais si tu mets sur Patreon, ils savent, tu es monétisé non, non, sur Patreon, si tu mets direct maintenant... Non, non, mais je parle si tu, parce que là... Oh non, ça, ça compte pas, c'est juste sur YouTube. Okay, sur YouTube. Alors ça, c'est cool avec moi parce que c'est comme... Oh, je m'en fous, anyway. Ils te donnent pas assez d'argent, les monétations, au moins pour moi, pour que ça vaut la peine, anyway. Alors je dis ça, je m'en fous. Mais le pire, c'est quand ils disent « Tout ton vidéo est muté ». Là, ben, c'est inutile. là Je, ben, inutile. Là, pas, je peux pas utiliser la, la vidéo. Mais maintenant, à cause de ça, il y a plein de sketchs ou des choses qu'on peut faire, même des grands podcasts ben, avec oui. la musique. Maintenant, je peux juste les mettre sur Patreon. Puis ça peut augmenter la qualité ben de ouais, tout cool. mon, mon affaire. C'est vraiment. Alors moi, je suis heureux. Parce que c'est ça, tu peux voler de la musique. Ouais. <laughs> non, c'est juste, en va <laughs> dire, non, te... des music beds. Bon, ouais, mais. Ou euh, tu non, mais où, vidéo... où tu chantes une tune. Tu sais, euh, si moi, je décide de commencer à chanter Ice Eyes Baby de Vanilla Ice, tu, tu vas me dire, non, non arrête, je vais être démonétisé. Oh, c'est le pire, ça, bro. Quand ils font YouTube. Ah, je je pensais que tu avais chronique. dit chanter Ice. Non, non, mais C'est juste, quand ils font ça, c'est comme, les gars, comment tu sais que personne va regarder mon podcast de une heure. Pour entendre Ice Ice Baby 30 <laughs> secondes de toi, au lieu d'aller checker The return On sait que c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que vous jouez à ça? Ouais, c'est juste ça. Money Talk, man. Mais même YouTube, apparemment, ils vont changer un petit quelque chose. Ça va être genre un peu plus euh, lenient. Non, ah, si ouais, ch hein? S'ils ouais. si, ont... <laughs> si changent quelque chose, c'est pour, pour faire plus de cash. Ouais. C'est ouais. pas pour, pas pour, euh, ah, pour nous. Euh, euh, non, 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 fuck all. Là. Apparemment, ils vont euh, être un peu moins stricts sur ça. Tu sais, si tu commentes sur euh, une chanson ou des choses de même. Ah oh, ok, ça c'est bon. Ouais, ouais. mais là, il faut vouloir que tu payes un, un Supreme un Premium. Ah oh, ça, je ouais, C'est sûr, mais... Parlons de ça. Oh, Pardon, toi, t'es-tu sur Twitter? Non. C'est la seule plateforme que je suis pas. Et, 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 ça m'a tenté. Puis là, plus j'entends parler de Twitter, impossible. Impossible. Twitter impossible. Écoute, c'est euh, c'est vraiment du trash. Pour Le ça, monde là-bas, c'est vraiment comme fuck toi Cédric, on va te violer, c'est vraiment quand il veut vulgaire, ils vont être vulgaire avec toi. Elon Musk a proposé quelque chose que tous les gens riches étaient contre. Ouais, j'ai entendu parler de ça la semaine passée. Mais maintenant que j'ai tous les détails, je suis avec lui. Euh Stephen King, il s'est plaint, il a dit oh, il veut que je paye 8 pièces. Non, non, parce que 8 pièces, c'est beaucoup pour Stephen King. C'est ça qui fait peur. Non, je pense c'était comme un 10 pièces par mois. C'est 8 pièces par mois. 120 pièces par année. Mais pour ça, c'est pas pour utiliser Twitter. Twitter, c'est toujours gratuit. Il a dit Si tu payes. Éliminer les fake l'effet Ouais, c'est ça parce qu'on vérifie que c'est vraiment toi. Tu es verified, tu as ton petit badge. Puis, tes tweets sont en priorité parce que tu es vérifié. Alors, pour des gens que ça vaut la peine, des compagnies, des humoristes, moi, toi, mm -hmm. okay, 200 pièces par année pour que le monde sache que c'est moi puis mes tweets sont en priorité, ça, ça marche. Pour tout le monde d'autre qui ne sont pas des compagnies, c'est gratuit, c'est cool pour eux aussi, mais ça évite que tu as plein de faux comptes, parce que si le, les gens veulent en priorité puis veulent le blue checkmark, mm -hmm. ils vont payer, alors ils doivent donner leur identité. Ouais. Alors là, tu sais que c'est eux. Alors quand c'est la vraie personne, il y a moins de chances qu'ils vont qu'il veut te violer ou ben whatever. C'est ça, parce que là, c'est ça, c'est que ça va éviter que euh, Marc-Antoine, 14 ans, t'écrive hey, T'es un de pas bon, on va te fourrer ta main. Blah, 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 ouais, ouais, exactement. Parce que lui, 10$ par mois, il va l'avoir pour un compte, ouais, peut-être. Puis ouais, <laughs> ouais. ça va être son, sa crise de face, puis il pourra pas se créer 8 comptes parce que son compte va être banni, puis là, il va s'en créer un autre. Puis là, il ne paiera pas hostie 60$ par mois pour avoir 6 comptes Twitter. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, moi, je dis c est, c est, c est, écoute, tu payes pour si tu veux pas. Tu, tu peux utiliser Twitter gratuitement, mais tu pas ça. Euh, Puis, tu dois payer pour tout. Tu payes pour ton Netflix, tu payes... C'est logique pour moi. Moi, je pense, si ça change comme ça, moi, comme humoriste, je vais payer pour, pour avoir la priorité pour que je toutes mes pubs et ouais. tout ça, pour moi. Mais si je n'étais pas humoriste, on va dire, ma soeur est sur Twitter, mm -hmm. ma soeur ne va pas payer. Elle va rester non, avec non, son ça, compte, fout. Mais tu vois, moi, les réseaux sociaux, là... <laughs> Quand je, écoute, la, la, la première, tu sais, j'ai jamais eu de fuck parce qu'avant de faire de l'humour, tu sais, j'ai jamais personne qui m'a écrit du hate pour, pour aucune <laughs> crise de raison, tu sais. c'était pas mal juste du monde que je connaissais. Fait que là, je commence à avoir de plus en plus de personnes, puis tout ça. Puis au-delà, au, au début, man, moi, si tu m'écrivais une affaire, c'était comme, tu sais, je faisais pas. Clear Daily, wow. Merci beaucoup, j'apprécie ton commentaire. Clear Daily, bloc, puis tout ça. C'était comme, t'habites dans quel coin, toi, oh, mon chum? Ouais, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Moi je aussi, pas, moi aussi, ailleurs, fou. <laughs> puis à un donné, euh, <laughs> ça, c'est un instant. Euh, Guillaume Baldock. connais ouais. Guillaume. Une couple d'années, il écrit euh, C'est ma fête, Rose c'était moi. Fait que, oh, euh, ouais. Il y a euh, le, le, en français le, le film Arnold qui est uh, school teacher. Euh, oh, uh, Kindergarten Cup. C'est ça, uh, en français, un flic à la maternelle. Okay. A, je sais pas, le, 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 il y a un petit kid avec une coupe champignon tout le long du film. En français, il dit Les garçons, ils ont un pénis et les filles, ils ont un vagin. Ouais, je ne ouais, sais ouais, pas ouais. ce qu'il dit. Même en anglais. Fait que, je connais un peu Baldock tout ça. Fait que moi, j'écris Les garçons ont un pénis et les filles ont un vagin. Vu ta shape, ça doit faire longtemps que tu pas vu aucun des deux. Ah, ouais, ça c'est bon! C'est un... simple, c'est tight, c'est bon. Ouais. Et là, ça, ça passe pas. Une, une personne qui écrit ça en dessous, moi je pense grossophobe, tu sais, mais non, mais c'est mon chum, tu sais, c'est une oh. joke, je viens pas d'y apprendre qu'il euh, y a un qui ouais. est en surpoule, <laughs> Fait que là je fais comme Voir qu'on peut dire que les hommes ont un pénis et que les filles ont un vagin. Oh, c'est ça qui est offusquant! Euh, » Oui, on peut le dire parce que c'est vrai. Mais là, là moi je me braque un peu, je fais comme Mais là, c'est first and joke, c'était une réplique d'un film des années comme 90, ça. ça parle, bro. Et non, non, non. Le pied dans l'engrenage que je venais de faire, man. Là, j'étais rendu, j'avais du monde d'Angleterre, d'Australie sur ma page, humoriste, euh, transphobe, euh, tatatatata. <laughs> comme, What the fuck, man? J'ai dit que les garçons ont un pénis, c'est fait. Un... Est-ce qu'il peut y avoir des filles avec des pénis, il peut avoir des garçons avec des vagins? Oui. Mais j'ai pas dit tous les garçons, tu sais, là, tu sais ça, les humoristes qui disent tout le temps que c'est des jokes hein, quand ils font des calls de même, je suis comme Hey. J ai, j ai, mon chum, tantôt, je t'ai montré que j'étais à Vegas, là. Ouais. C'est rendu une femme aujourd'hui. Ouais. C'est un, un ami, on se parle ah, il, il va être en mon show, tu sais. Euh, femme qu'il peut te convaincre que c'est une femme ou il te dit que c'est une femme puis toi tu l'acceptes. Il y a beaucoup d'argent. Oh, il y a de l'air d'une femme. Nice. Il y a de l'air d'une femme, nice. femme. excuse-moi, chaps. Si jamais tu m'écoutes. Non, 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 mais tu sais, puis... ça fait combien de temps? Euh, écoute, là, je suis... <coughs> ça fait pas dix euh, ans, là, ça fait... Euh, écoute, ça a commencé il y a peut-être... Je veux pas lancer, peut-être 4 ans, trois ans et demi, quatre ans, là, je peux pas... Euh, on se voit beaucoup moins, c'était euh, une des personnes qui était dans, dans le club de tu t'as vu, avec son auto et tout ça. Ouais. Et, euh, fait que, bon, on s'est un peu éloigné d'un de ça, puis il y a eu... Plein d'autres choses. Puis ça n'a aucun rapport avec. Euh, tu sais, elle vient à mon show. Là, je pense qu'elle a acheté six billets pour mon show elle vient avec des amis. Puis tout ça fait qu'on a encore euh, une, une super belle relation. Quatre Mais, ans, euh, c'est. Euh, je pense que dans quatre ans, tu peux faire beaucoup. Ouais. Oh, oui, non, non. Il est in, là Il est allé full, là Il est à Californie. Tout, tout. tout là, il... Alors, moi, moi je connaissais pas ton ami avant. Mm -hmm. Maintenant, si tu montrais une photo, moi, je sais comme. Ah, c'est deux personnes différentes? Ouais, ben, euh, tu... On va voir ça. Après, ça, ça je <laughs> je te parce, que, une après. parce que ça, je trouve fuck impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Mm -hmm. Parce que si tu retournes 20 ans, bro. Non, ah, mais moi, ce que je respecte en plus, c'est. Il y avait ben... des gens que tu comme, fuck, bro, t'as gaspillé 6 ans, puis t'es la même personne. Non, mais pas, pas à 22, là. Et début quarantaine, là. Qui est quand même difficile, mais avec les technologies oh, maintenant. Non, oui, non, non, mais je veux dire, tu sais, déjà, hey. Euh... Puis, tu sais, un méchant processus a passé par là, puis c'était ça ou euh, suicide, là. Ah oh, ouais, oh, hein? oh, oui? À un c'est lui qui a allumé quand il était dans son char, puis il a fait « Je, je break, veux j, ou bien j, ça, j, je break pas. » Genre, j'arrive au bout, puis je break pas, là. Tu sais, quand, quand, quand il y a, a eu ce déclic-là que c'est fait, il a fait « Ok, là, je peux plus vivre avec ça. » Et t'as-tu dit « C'est que ça commençait à vraiment dérouler où il était comme je peux plus mentir puis ben tu sais lui elle a dit je suis tout le temps c'est pas c'est pas non pas je sais pas c'est pas puis parce que pour moi non moi quand c'est pas agressif 20 ans c'était mon non mais c'est pour ça moi quand j'en parle j'ai JS dans ma tête et non Jessie non les personnes que je connais qui sont trans sont de la même façon non c'est pas une agression bro mais quand je parle à, à mon autre grenade, à Alex, tu sais, elle, Will, oui, quand on va je te temps. Alex, l'autre fois, c'est ça que je pense pour Siden. C'est le même problème. Ouais, non. Non, non, oui. ça, puis Alex, c'était comme, bro, je suis une drag queen like, laisse pas <laughs> c'est dit, peu importe, je m'en fous. Non, non, c'est ça, exactement. Mais non, c'est ça. Et puis, il me disait, c'est la journée que ça a fait, je suis plus capable, c'est la, la journée où il a pensé vraiment. Euh, il y avait un, un, un char puissant aussi, il faisait, il faisait de la course du corps de mille, puis il était, il était en train de courser avec son chat puis il, il, il s'est passé la réflexion, je break pas. Je suis plus capable. Je suis plus capable de vivre avec ça. Est-ce que le monde savait autour de lui qu'il était proche ou personne ne savait juste lui? Personne, personne savait. Ben, en, dit, en fait, lui, donc, le, le, le pire, c'est que euh, non, vraiment pas. Puis écoute, avais vu le gars, il bloque appartement, si les jeans, tout le chéri, et. Tu sais quand je l'ai moi je l'ai connu début vingtaine là, il arrivait chez nous, on, on avait pris clobé mon frère, était comme OK là, on va te passer du linge, tu sortiras pas une autre à même. Là. On s'en va une des filles nous autres Puis fait qu'on il passait des souliers, des pants. Là, lui, y, y travaillait il arrivait à Stillie, il est encore au lycée tu sais. Mais à mais, était... mais quand ça s'est arrivé, là on a compris à chaque Halloween tu as des filles. Oh pis en, en, en fille fait, là, en de fait, là. Il a mis de l'époque. Tout, là, pis. C'est que là, ah, ok, ok. Je n'ai jamais aux danseuses. Pis, il y a une blonde, là, aujourd'hui, là, mais. Tu il... c'est rendu une lesbienne. Ouais, Puis il y n'allait pas aux danseuses. Pas parce qu'il aime pas les femmes. Jalousie. Oh, shit, intéressant, ça. Tu sais, c'est énorme. Tu sais, je veux pas trop. Parce que j ai, j ai... Honnêtement, Chop, j'espère que ça te dérange pas. Mais, euh, tu sais, il était jaloux de sa femme aussi. Mais il pou... il est jaloux dans le sens qu'il il, il voulait être elle. Mais il ne voulait pas à... dire il, voulait... il voulait Il pouvait pas dire ça à personne parce que, spécialement dans le temps, si on parle de 20 ans, 30 ans avant, c'est ça. C'est un si... gars qui est né à la fin des années 70. Là. Si tu dis ça à quelqu'un, ils vont dire Ok, t'es fou, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais non, puis ça a super bien passé dans sa famille en plus. T'sais, je connais bien ses parents, on se connaît vraiment depuis longtemps. Ah. Fait que, euh... Alors maintenant, elle est heureuse. Elle est heureuse. Ah, solide. C'est oh, ça. bro. oui, ouais, ouais. Écoute, je ne euh, parle pas souvent, puis quand je parle, tout commence à voir, ça va super bien. Pis Plein de projets, puis All the Way. T'as vu ça? Euh... ça? Des fois, ça prend 40 ans, mais tu trouves qu'est-ce qui peut te faire pis, heureux? Man, elle est y... heureuse maintenant? Que que du bien que j'y souhaite, moi. Euh... Moi, si c'était heureux. Moi, quand ils annonçaient ça, tout le monde disait, ah, les, les gars de char vont. Euh... Hein, C'est ta là, vie. Fout, ce que bro. Tu veux, ça n'a rien à faire avec eux. Sais si accepté. elle a essayé de couper leur pénis, là, il va avoir des problèmes. Mais, elle, elle est fucking heureuse. Ça te dérange qui? Moi, je garde le mien. Tu, veux, tu fais ce Mais que tu veux. C'est pour que le ça tient? que j'ai ça. Ça, ça. Ça change quoi? C'est la ouais, même personne. Le fucking, euh, tu peux te chialer avec quand enfin, qu'on a commencé à, oh, à prison, on est rendu à parler de mon chum trente. C'est la même chose, c'est la, <laughs> la même chose. Tu peux te faire coup, tu peux même pas C'est coup, te... ouais, ouais, le même sujet. Là tu peux, là tu peux chiller avec et t'amuser avec. Oh Godly. J'étais un homme marié même. Ouais, bro. <rire> <rire> Calme toi, bro. <laughs> mettez la présenter pour ça, mettez la, <laughs> <laughs> la présenter. <laughs> Je t'avais pas choqué, tu l'aurais rencontré même rencontré avant mon <laughs> essai. <laughs> Mais non, c'est euh, ça, c'est des histoires que j'aime, tu sais, que t'as dit qu'il il était proche à se suicider. Mm. mais après, elle a dit, tu sais, non, 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 fuck it. Mm. Je, je sais l'angle où je peux être heureux. Je fais ça. Je... Puis... Moi, j'ai un méga respect pour ça. T'sais. Ça, c'est bon pour que le monde qui écoute ça, il, ça ne va pas être à cause qu'ils sont trans, mais je veux dire, il y a d'autres situations dans ta vie. Mais c'est toi. Tu, tu dois... Si quelque chose te dérange à ce niveau-là, tu dois oublier... T'es peur de quest ce que quelqu'un d'autre va dire ou whatever. Tu, si, spécialement des choses comme ça qui ne concernent pas d'autres mondes, juste toi-même, c'est personnel. Tu dois faire ce qui te cherche puis ce qui te rend heureux. Sinon, tu vas souffrir. Pourquoi? Pour qui? ben je te donne un exemple. C'est sûr que c'est moins hardcore là, que euh, si changer de sexe. Mais à 8 ans, je voulais devenir humoriste puis j'en parlais. J'ai fait mon premier show à 38 ans. <laughs> 30 ans plus tard. Pis ça me rend heureux. Là, en, fait, en, en, en ce moment, ce qui me rend malheureux de faire de l'humour, c'est que j'en vis pas. Parce que je ferai que ça. Tu sais. Je suis pas, pas pressé, je veux pas brûler d'étapes non plus. Puis peut-être que j'en vivrai jamais. Mais en ce moment, mon gars, j'ai tellement de fun, je trippe tellement, je me dis, écoute, si c'est juste ça que je peux toucher de l'humour, mais. Alors si quelqu'un te donnait 5 millions de dollars demain, ça, ça veut dire que oh shit, le seule chose que je fais maintenant, c'est l'humour. Ah, c'est clair. Ouais. Puis tu sais, avec... T'sais, on parlait d'immobilier un peu avant de commencer, puis tout ça. Puis, tu sais, si. Peut-être dans 10 ans, je vais pas arrêter de travailler. Ah, oh, c'est juste le mot. Fait que, tu sais, je vais avoir 51 ans. 51 ans, c'est jeune, t'es encore jeune. Puis, tu sais, moi, je regarde. Tu sais. Euh, euh, je suis un, un grand fan de Mike. Euh, J'adore preach. Preach la première fois qu'on s'est un peu comme vous êtes une, le genre de monde. Preach la première fois qu'on s'est croisés dans un bar. Euh, on s'est parlé tout de suite. Ça a cliqué. On s'est revu. On s'est reparlé à chaque fois qu'on s'est passé. On, on a est trouvé, comme est des motards, bro. Pis, mais, le monde pense qu'on est méchant, mais on est fucking cool. Ben, c'est ça. Pis, <laughs> mais la relation que vous avez, le, le, ce, suivre Mike comme en tournée, moi, c'est ça. C est, c est, pas nécessairement Mike, mais ça. Hey, on part des humoristes oh, ensemble, puis on va faire des shows d'humour. En passant, comme... j'ai plein de vidéos behind the scenes. Lui, pendant des mois, il captait ça. Ouais, j'ai je, je entendu parler de ça. Tu, tu veux faire un truc, penses, hein? je pense. Écoute, j'ai tout. Ils viennent de nous donner d'autres footage que j'avais pas. Alors, moi, j'ai même la première soirée où Mike a pris le stage quand il avait gagné à la Cour suprême. Moi, j'ai ça, le standing ovation, puis tout ça, j'ai tout ça. En, parce que oh, j'écoute ton French cast, puis je sais ouais. que tu en as parlé, que tu pensais peut-être donner ça dans les mains d'un directeur, puis. Ouais, euh, ouais. Ou, Je sais pas à qui tu parlais de ça, mais. Mais non, je vais le faire moi-même, peut-être. Ou avec Phil, parce que lui, il est bon. Comme ouais, directeur. ouais. Puis à cause de Patreon, parce que Patreon, maintenant, me laisse uploader des vidéos. Maintenant, je n'ai plus peur de musique, de, de tout ça. Je peux mettre n'importe quoi. On était où Ça appartient à nous. Alors, je peux mettre des bons petits documentaires de ça, parce qu'on a des mois. Fermont, tu allé à Fermont mm -hmm. et partout. C'est fou. Puis tu sais, moi, gars, un gars, gars l'argent, je le cacherai pas. J'aime l'argent. Euh, j'ai un rythme de vie. Je gagne bien ma vie. Ma femme gagne si bien sa vie. Si tu veux vivre, j'espère que tu aimes l'argent. Non, 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 mais tu sais, en voulant dire, tu sais, euh, puis j'ai commencé l'humour tard. J'avais commencé dans 20 ans. Je m'aurait pas dé dérangé de manger du craft dinner, mais là, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai des obligations, tout ça. Mais tu sais, si tu me disais, écoute, tu une carrière, pis le salaire que je fais là, c'est ce que tu fais, tu ne feras jamais plus. Même si tu travailles 80 heures par semaine au lieu de 40, mais tu fais le même salaire qui m'assure à mes enfants, à mon, mon rythme de vie que j'apprécie. appris. Ça marche, quoi? Ouais. Amen. en in. Je vais faire 80 heures par semaine. C'est pas de la job. Hey, j ai, j ai, je, je finis de travailler à 4 heures, j'embarque dans mon char, je descends à Québec, je vais faire 15 minutes, je reviens, je me couche à minuit et demi. puis Amen, j'ai... Puis avant, tu me disais, on va à Québec voir de quoi c est c'est loin, Québec, juste pour aller voir des astuces de poissons à l'aquarium. Là, non, non, on va aller faire 15 minutes sur un stage. Puis, puis une fois, je vais refioler mon, mon, mon char, il va me rester genre 5 Mais ben, je m'en gâle, je le fais. Fait. fait que, tu sais, c'est pas une job. C'est ça que j'ai réalisé, tu sais, à quel point. Fait que, je suis tes calices de rêve. Je suis tes Attends pas 30 peu. ans. <laughs> Attends pas 30 ans. Puis comme ton ami, là, je sais pas c'est quoi son nom Chaps. maintenant, Chaps. Euh, laisse pas le monde gouverner ton, ton esprit. Chris, non. Non, parce que ça. Ben en même temps, je regrette pas d'avoir commencé à 38. Parce que je pense que si j'avais commencé à 20, 21 ans, je n'aurais ça, ça pas, pas eu la discipline que j'ai. Euh, J'aurais voulu aller vite. Je pense et... à ça aussi, des fois. Quand moi, ça m'a pris avant que je commence à vraiment percer à cause de Mike et tout ça. ça pris, moi, j'avais commencé en 2012. Euh, 2018, j'ai commencé. Vri... 2018, de, de 16 à 18, je commençais à faire de quoi? Puis avec Mike, après 18, c'était vraiment. Ouais, là, ça a c'est clair. Mais si j'avais eu ces chances-là quatre ans plus tôt, je ne serais pas la même personne. Non, moi non plus. Ben, first, ça pas, ça. J ai, j ai vraiment pas le même tempérament. Fait que je ne suis pas sûr moi, que. Euh, c'est ça que je disais à Poseidon tantôt. Moi, au début, quand j'ai commencé, ce qui me faisait le plus peur, c'était les Heckler. Pas, pas de ne pas être capable de lui répondre. D'être trop fâché, puis de, de genre j'ai un micro puis il est en métal, man. C'est une tête, c'est pas toi qui va gagner. J'avais ouais, peur ouais, d'avoir ouais. ces réactions-là, de faire hey, ta t'as femme tu! Puis finalement d'un, j'ai la chance, le casting que j'ai les l'air, ça lui que ça ne lui tente pas tant. Mais de l'autre côté, si, honnêtement, mais à 20 ans, 21 ans, je hey man, j'aurais même pas réfléchi, puis j'aurais juste lancé mon micro, j'aurais crissé mon gagne en voyant chez tout le monde, j'aurais fait fuck l'humour. Ouais, moi, moi j'étais une hothead quand j'étais jeune, mais jeune oui, Aujourd'hui, ben aujourd moi non plus. Euh, tu sais, j'aime la violence. J'aime regarder de la boxe. J'aime regarder des combats ultimes. Boxe féminin, est-ce que tu aimes ça? Ah, j'aime ça. tu as bien, vu bien, Kim Clavel? Clavel. Ben oui, ben oui, bien, oui. Ouais, mais j'ai même... pas vu en live. J'ai pas vu en live. Moi, mais... j'ai eu la chance de la voir en ouais. live. Puis je vais la voir encore, mec acheter des billets pour euh, Place Belle Laval. OK. Euh, elle unifie deux titres. Ouais, ouais, ouais. Fuck, ah, ouais. Amen. Ah, euh, non, non, moi, j'adore. Moi, si je crawl, il y a un combat de boxe, pff, même je, je sais pas c'est qui, je regarde. Tu sais, j'aime la violence. J'ai l'air l'âme psychopathe, là. J'aime la violence. C'est fun de voir les femmes se battre quand c'est pas toi qui le fais. <laughs> Entre elles, c'est correct. <laughs> ouais, ouais. Mais euh, non, puis c'est rapide, là. Les femmes, c'est ce qui ah, y Tac, 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 c'est rapide, man, c'est fou, là. Non, j'aime ça, moi, j'adore ça, mais, euh, mais j'en veux pas dans ma vie de la violence. En ah, bien, moi non plus, mais je... même, même quand j'étais tête brûlée, j'en avais de la violence dans ma vie, j'en ai fait de la violence, j'en ai vécu, j'en ai sais. Je me suis fait taper sa j'ai donné des tapes sa gueule, mais j'ai jamais eu de fun à le faire. Tu sais, c'est pas, puis j'en veux pas dans ma vie, je suis père de famille, tout ça, tu sais. Moi, je pas d'enfant encore, j'ai un chien, mais avec ma femme, par exemple, chez nous, jamais. Puis je suis avec elle, je pense, depuis 2016, 2017. Ça fait longtemps. Oh, c'est cool. Ah, ça fait longtemps, là. <laughs> ah, mais je veux dire, j'ai... Euh, jamais on crie. Euh, moi, je, je veux, ne je peux pas être avec une personne où. Chez nous, c'est euh, c'est ghetto. C'est agressif, non, je, je tout ça. On dort fâché. C'est jamais arrivé. Puis j'espère que ça n'arrive pas. Euh, je garde vraiment une maison positive. J'aime ça. Que le monde est heureux, tu, sais, tu ris, tu rentres, tout est... Même si ça ne va pas bien, tu fais des ah, efforts. Je comprends ça. Ouais. Écoute, ça fait 17 ans que je suis avec ma femme. On s'est déjà chicané. On est un couple sur ans. Des arguments. Bon. Mais Une fois je pense, je suis parti de chez nous juste pour... Breed in, breed out, là, tu sais. Mais à 17 ans, là, tu sais. Ça, c'est un bon record. Parce que on peut se parler, on s'ostile. Des fois, mais, 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 mais tu vite, fait comme « il n'y a rien ouais. là, tu sais. Puis avec les enfants, c'est sûr, tu sais, oui, des enfants, quand t'en as, tu sais, moi, j'ai des jumelles, là, c'est deux en même temps de la même âge. Des fois, là, hey, hey tu sais, mais il n'y a, euh, a pas de violence, là, tu sais. Je ne veux pas de ça chez nous, je ne veux pas que mes enfants. Non, non. Euh, ça, ils vivent ça, dans pis, ça, non C'est sûr que des fois, je te dirais, euh, je t'en en char, pis là, il y a une il y a des affaires qui sortent de ma bouche que je ne voudrais pas que mes enfants entendent. genre Ah oh oui, ça, euh, ça, ça va être un problème pour moi ça, quand, ben, quand j'ai des enfants. Parce qu'en char, moi, ça je suis une autre personne. L'avantage <laughs> la, d'avoir des enfants dans ton char, c'est que je ne m'arrête plus. Parce que je me suis souvent arrêté. <laughs> tu sais, genre, euh, tu sais, moi, si, si tu mets ton clignotant, tu t'arrêtes sur le bord, assume. Tu vas m'arrêter, moi aussi, mon chum. Là, Faut plus, mais puis aujourd'hui, j'essaye de. Je, je fais comme genre, breed and breathe out. Ok, 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 ok. La dernière fois, la dernière fois pis en, ça fait pas longtemps, puis c'est en face de chez nous parce que j'habite sur une rue de 30 km/h. Je suis en train de parler avec quelqu'un devant chez nous. Et là, j'entends, ça décolle du coin de la rue. Tu sais, à l'heure, les 4 heures de l'après-midi, les quand, kids finis, quand là, les kids <laughs> Oh. Je me suis mis en plein milieu de la rue, un, un 19-20 ans avec un golf. J'ai fait, man, tu fais? C'est une rue à. Là, j'étais, man, je voyais à noir. C'est à 30 km/h, il est 4 heures de l'après-midi. Mais tu fais quoi? C'est toutes des maisons, c'est plein d'enfants, il y a des parcs partout. Et ça, puis là, puis il... Puis écoute, j'ai juste. Sustainé. Non, il était plus. Oh, j'étais j'étais Mais j'étais comme, ah, man. Ah. Puis là, à un moment donné, j'étais juste, OK, votant, parce que là, je vais tilter. Puis là, il était j'ai fait peur, il était plus capable d'embrayer, il était stressé, j'ai flatté la joue un peu avec le bout de mes doigts j'ai jamais vu Jean pour se marier. C'est tu bizarre pour toi ce soir de le voir ici ah, <rire> <rire> ben, Il rentre pas dans une gueule, C'est ça. <laughs> oh, non, mais tu je, je voulais pas mais j'étais comme juste ça c'est man des enfants moi mais écoute là de devenir papa d'un ça m'a rendu broyant, man. Un... Ma femme, tantôt, <laughs> on t'a de préparer quelque chose pour, pour mon beau-père. Puis là, elle sortait des photos de mes filles quand ils étaient bébés. Je regardais les filles. Là, elle m'a montré les photos. Dit, de m... Je je suis pas dans un podcast, je suis pas envie de broyant de partir. Écoute, mes enfants, là, si je regarde un, un, un film, puis le, le père a le cancer ou tout de même. tu Moi, j'ai perdu un, un de mes meilleurs amis cet été. Puis euh, sa, sa fille a, a l'âge de, de mes filles, puis il y, y a un ado. Puis je suis pas capable de trop en parler longtemps. Way back, j'ai connu des gens qui sont morts, puis j'y repense, je ouais. c'est comme, c'est correct. Puis lui, d'un, oui, c'est un bon chum, ça me fait mal, mais c'est quand je pense à ses enfants. Puis ça, ça vient... Fait que je regarde un film, le père meurt, ou la mère meurt, ou tu perds un enfant, mon gars, je deviens... Puis avant, je me dis, c'est un film, c'est un film, là. À ah, Starman, ça vient me chercher. Fait que je me dis... Tu fais du mal à mon enfant. Écoute, des rêves, mon gars, de, ma... une de mes enfants se fait frapper ou on perd une de mes enfants ou tu vois des enfants d'enfants de... de... qui se font kidnapper. Puis là, je suis comme, mais tu veux tout faire puis tu peux rien faire. À part crier son nom. Puis... Mon gars, c'est des affaires qui me font. Débandé, raide, je capote, j'en je, 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 fais des cauchemars de ces affaires-là, des fois. T'sais. Parce que t'es un vrai parent, maintenant. Ah, man, ça me rend, ça me rend fou. J'adore mes enfants. Et puis puis le monde ça devient m... de plus en plus violent et agressif. Ah, man. Des fois, le juste. Oh! Ben... J'ai lu quelque chose aujourd'hui euh, à New York. J'étais comme tabarnak. Les, les journalistes sont fucking caves. Il y avait une femme, aujourd'hui, 5 h du matin, 5 h 30 elle faisait du jogging. Elle s'est fait attaquer par un arrière. Le gars l'a choqué jusqu'à être passé. Il l'a violée, l'a battue un peu. Elle s'est réveillée, puis elle cherchait de quoi, tu sais. Puis une autre femme qui est joguée l'a vue. « Oh, qu'est-ce qui se passe, une jeune? Le journaliste vient. La police prend la, la femme. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il demande à la femme qui l'a trouvée? À l'autre femme qui vient de savoir qu'elle s'est fait violer. Mm « -hmm. Alors toi, qu'est-ce que tu penses? Tu vas -tu continuer de joguer ici? Ça te dérange-tu? Puis elle a dit... Euh, « Je pense que je vais rester chez nous pour un peu. Like, » C'est quelle question demain quand, ouais Tu viens de ah, faire violer, que tu penses là, toi, toi, tu vas-tu faire du jogging ici encore? » Comme, c'est... Le monde s'en C'est comme quand il y a un, un, un meurtre puis ils vont voir les voisins, tu sais. Ouais, ouais. Puis, « Ah oh non, on n'aurait jamais passé ça. »« Chris, j'espère Si avais passé ça passé ouais, ça. Ouais, ça » C'est ouais. quoi la question? Est-ce que vous pensiez que votre voisin était un meurtrier? Ouais, c'est ça qu'il pense. que Oui. »« Chris, met tes émanoides à lui avec. » Tu imagines comme « Ah ouais, oui, il y avait l'air d'un gars comme ça. Non je me dis, mais moi, moi juste mes, mais, euh, mais tu sais, je de mes filles qui arrive de l'école puis là, Hey, elle aujourd'hui elle voulait pas jouer avec moi, elle m'équerrait. J'étais comme un là tu oh, sais c'est comme faire du mal à mes enfants. Tu comme non, <laughs> fais pas ça, maintenant. mais. Mais non, même les nouvelles, man, les journalistes n'ont plus de chill, tu sais ils sont euh, des caves. j'avais vu ça ce matin puis j'étais comme. C'est à New York c'est arrivé ça. New, ok, écoute, New York c'est fucké quand même. Euh, j'étais allé cet été, j'ai vu un gars se faire battre à coups de marteau même. En, en avant mes, mes enfants ma femme. Là avant, moi j'étais comme. Restez là, là, oui, je m'avançais, je vais voir ce se passe. Je sais pas ce qui s'est passé, mais clairement, ils l'ont sorti d'un magasin, t'as comme 3-4 gars de là. Il y avait un gars avec un marteau, man, j'étais comme... Ok, j'ai pas que mes enfants voient ça, moi j'étais comme... <laughs> mais c'était fou, là. Une ville fou. Écoute, on, Times Square, il se passe à rien. On était genre genre en 9e. On était à deux rues de Times Square. Puis ça devient, on dirait que ça passe de wow, un peu comme Vegas. Je sais pas si tu été à Vegas. Ça passe de waouh à Exactement. Mais ouais, c'est ça, vite. Vegas. Moi, quand j'y vois, j'ai lu un scooter. Pis là, tu comme ça, strip, tout est beau. Décolle deux rues, en arrière de la strip. Ah, man, man ça fait ça devient. Oh, je faisais mes exactement C'est pire, là. C'est <laughs> pire, là. Tu te promènes sur la strip, t'as les quatre. a un escort. Puis là, tu vas trois rues plus loin, pis c'est maison de massage, même ça a l'air d'un creepy house, ça se fuck. J'ai le meilleur joke des, euh, des strippers au Vegas. Euh, un de nos amis, Chris Ramsey, c'est un magicien. Il ouais, est drôle, est qui... il fait de l'humour aussi. Il m'avait dit, quand il était là, il, était, il marchait, pis il y avait un gars avec tout un album de photos de prostituées puis de strippers puis hey tu veux voir des filles puis il dit oh laisse-moi voir puis il les monte il dit, ils disent elles sont belles hein puis Chris le gars dit elles sont-tu vivantes puis le gars dit oui il est comme ugh dégueulasse <laughs> Elle commence, <à> marcher. <laughs> Elle commence à marcher. ça marcher, puis le gars était comme you fucking sick man you fucking sick comment ça crie <laughs> oui c'est comme bro ça c'est le gag parfait elles <laughs> sont-tu vivantes <laughs> ouais ugh dégueulasse mais le, dégueulasse. le, le, <laughs> le plus le c'est qu'à Vegas il y a un, il y a un gars qui aurait pu sortir du noir Yeah, I got what you're looking <rire> for. <laughs> ouais, C'est fucking quand même ouais, comme gag. Mais ouais, tu vois, tu, tu, ta perception change quand euh, tu deviens parent. Oh, fuck. Moi j'accepte ça, ça parce que moi j'ai pas d'enfant. Je veux en avoir, mais j'ai comme je dis le chien. Bro, je l'adore comme une petite fille. Ah, man, je fais tout pour elle. Alors ouais, imagine sais. comment je vais être avec mes enfants. J'ai perdu j'ai perdu mon, mon boy. Moi, j'ai perdu oh. mon chien il y a une couple d'années. Euh, il a fallu que je le fasse piquer. Là. Oh, bro, il a fallu ça... que ça soit ma décision avec qu'il soit trop tard. Ça tu sais. fait que Ah, man. Ça fait mal. Pas mal la fois dans ma vie, je pense que j'ai le plus broyé. Mais... Je te dis, c'est quelque... quand t'as un bon chien, man, c'est la connexion. Ah, c'est fou. C'est fou. Puis si t'en avais jamais eu, tu sais pas de quoi on parle. Non. Tu peux pas le mais... décrire. Puis je, je comprends ça. Puis c'est ça, tu dis que t'as pas d'enfant. Puis quand t'as des kids. C'est mille Moi, je, fois ça. Je, je, je pensais que j'aimais. Pensais que j'aimais ma femme, je pensais que j'aimais mes parents. Ta, ah, ben tu réalises que t'as jamais aimé personne, t'as jamais aimé personne, vraiment, pour vrai, t'as ouais. jamais vraiment aimé quelqu'un. Tu vois, oui, t'aimes ta femme, pas comme tes enfants, jamais, impossible. Puis je, ah. je leur dis, puis tu sais, ma femme, c'est la même chose. Puis je leur dis à mes enfants, j'ai, mais t'aimes aussi ma, oui, mais pas plus que vous autres. C est, c est... Si s'il y a un feu, si je peux sauver deux personnes, c'est vous deux. Maman, je ma femme. Je vais même la kicker juste pour les suivis. Moi, il veut tout faire le feu. Il va fais le feu avec, tu sais. Move bitch! Je peux venir aussi. Non, 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 non! Je vais sauver les feu! Je crache dessus, ça va nous donner du temps. Mais Cédric, dis-moi, tu veux où que le monde te suit? T'es plus actif sur Instagram? TikTok, mais en fait, tout ce que je fais sur TikTok, je le mets sur Instagram, je le mets sur Facebook aussi. C'est les trois. C'est le même nom, Cédric C E D R I C. Des fois il y a du monde qui met un casque. C E D R I C Bergeron Humour. Moi je vais rendre ça même plus facile. Si vous êtes sur YouTube maintenant ou sur euh, Spotify, les liens sont déjà dans la description. Yeah. Juste cliquez, c'est beaucoup plus facile. Cédric bro, merci d'être venu au hey, podcast. Merci à toi man, j'ai eu du gros fun.